et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte manga sur mon tout premier manga français et il s'agit de Double Mi. Double Mi est un manga de Miki Makatsu et de Otosan. C'est édité chez les éditions Ankama. Vous allez vous demander, mais de quoi parle Double Mi? Dans ce monde, il y a en fait un réseau social qui domine les jeunes en fait en quelque sorte. Et le réseau social est en fait Double Mi. Double Mi, c'est un peu comme Facebook, Twitter, Instagram. C'est peut-être même non, pas Snapchat, mais voilà, vous avez compris. Et en fait, le but de ce réseau social, c'est voilà, tu discutes avec tes amis, tu fais des demandes d'amis, voilà, tu les acceptes ou non. Voilà, un petit peu comme un Facebook. C'est plutôt, ça se rapproche plus d'un Facebook que d'autre chose. Sauf qu'à la mort d'un de tes amis, tu peux toujours, en fait, ce n'est pas grave, ça te dit ce n'est pas grave, tu peux toujours discuter avec, parce qu'en fait, il y a une intelligence artificielle qui arrive et voilà, qui a la même personnalité que la personne décédée, et que du coup, ça te donne l'impression qu'en fait, que ton ami n'est pas décédé. Donc du coup, c'est sympa, voilà. On va suivre en fait l'histoire d'une fille nommée Eiko, qui a une amie qui a pour ami Eri, et un jour son ami Eri va se faire tuer par un inconnu, donc on sait pas qui, et Eiko va être totalement désemparée parce que c'était sa seule amie au lycée, parce qu'elle était victime de harcèlement par une autre fille qu'on va apprendre dans ce tome là, parce qu'en fait Eiko est amoureuse du beau gosse du lycée, tout comme Eri. Et du coup, Eiko va recevoir un message de Eri malgré son décès, et les deux vont discuter. Et j'ai trouvé ça très plutôt sympa, banal. Et on va apprendre des choses au fur et à mesure du tome sur le passé, comment Eri et Eiko se sont rencontrés, comment Eiko a rencontré Dosan, le beau gosse du lycée, comment Dosan a rencontré. Comment Dosan a rencontré sa petite amie, et comment avec la petite amie de Dosan et Eiko se sont pris la tête et du coup se sont fait la guerre. Tout ça on va apprendre, donc Eiko va se faire interroger par la police sur le décès d'Eri, donc il y a une enquête qui est mise en place pour savoir qui est l'assassin de Eri, parce qu'il y a plusieurs décès par Double Mi, et on va savoir un peu plus au fur et à mesure du tome l'évolution que j'ai trouvé très 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 bien. L'évolution de notre personnage principal, Eiko, qui au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'elle devient plus dark, plus machiavélique. Parce qu'on va, je vais pas vous spoiler, mais elle va faire quelque chose d'horrible à la fin de ce premier tome qui va peut-être la conduire à sa perte. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, elle a été enregistrée par un élève qui espionnait la conversation entre Eiko et un autre personnage. Donc, je ne vais pas vous dire qui c'est, parce qu'Eiko, elle a pour seul objectif dans sa vie, c'est de s'approprier Dosan. Donc elle est prête à faire n'importe quoi, à qui et à tuer qui se mettra sur son chemin. C'est un petit peu, si vous voulez, un peu comme, bah, sauf que c'est dans un contexte un peu différent, c'est Light de Death Note. Ce qu'il veut, c'est tuer les criminels, et en fait il va tuer tous ceux qui se mettront sur son chemin. Donc c'est un peu dans ce délire là, vous voyez, et j'ai beaucoup apprécié, surtout que le personnage de Eiko, je ne l'aimais pas trop au début, parce que voilà, bon, ouais, bon, c'était une lycéenne comme les autres, et au fur et à mesure, je commence vraiment à l'apprécier, parce que tout ce qu'elle a vécu, quand on a appris sur comment elle était, comment elle est arrivée, comment elle en est devenue à être harcelée par les autres, et du coup j'ai commencé à avoir un peu de peine pour elle, et je me mets à sa place et je me dis, ce qu'elle fait, c'est un peu mérité pour les autres. Donc franchement, on se met vite dans l'histoire, hein, parce que l'histoire, ça se lit plutôt vite. Le dessin, donc je vais vous montrer, le dessin est très très beau, très très joli. Donc voilà. Donc, voilà, pour un manga français, enfin manga français, mais c'est vraiment super bien dessiné.
Voilà, donc on va suivre avec Dosan. Donc tout ce qu'elle veut, c'est être avec Dosan. Donc pour l'instant, un seul tome est sorti pour l'instant en France. Mais je peux vous conseiller ce manga-là parce que c'est vraiment super sympa. Le scénario, on est vite pris dedans. Et en fait, et le suspense à la fin du tome, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer au prochain tome? Et vraiment, c'est un truc de ouf. Et même, on commence à se demander ce qui est vraiment... On commence à soupçonner une personne qui a assassiné Eri. On commence vraiment à ce que les mystères soient résolus, et c'est vraiment bien. Donc l'histoire, ça se lit très très vite, il y a beaucoup d'action, et vraiment je vous conseille vivement de commencer Double Mi si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment excellent, si je puis dire, comme premier tome. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo découverte manga. N'hésite pas à lâcher un gros like, à commenter cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao !